السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم غنشوفو لي زيكزارسيس ديال ليكواسيون ديال دروات. كنا شفنا فيكتور ترانسفاسيون، اليوم غنشوفو ايكواسيون ديال دروات. دونك نديرو هنايا توجور دي زيكزارسيس اكستري من دي زيكزامان ريجونو، امتحانات جهوية، وغنديرو شي خمسة ديال التمارين ان شاء الله. دونك غنبداو بركة الله، غنبداو مع التمرين الاول من جهة مراكش اسفي ديال 2019. مراكش اسفي 2019. دونك نص التمرين اش كيقول؟ دون لو بلان ميني دان روبير اوردونومي او اي جي اون كونسيدير لو بوان ا بي سي. دونك عطاونا ديال 3 بوان، ا دو كوردوني 4 بي دو كوردوني 1 5، دونك 5 سوغ ان كود موبيون، و سي دو كوردوني 3 1. مزيان. Donc la première question, représenter le point ABC. Donc représenter le point, marque que j'en représente un. On dirait que c'est le repère. Je ne mets pas la règle. Donc tu mets la règle, on connaît que je suis un mot de vote. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On dirait l'origine. On dirait le repère d'un an. Autonome, il y en a là-bas. IJ. Donc on a 4-4. Donc on a 2-3-4. 2-3-4. Donc on a 4, on a 4. Donc on a le point A. B1-5. Donc on a 1, on a 5. Donc 5 avec le port, on a 5, on a 5. Donc on a B. C3-1. Donc on a 3. On a 1, 5, 3. 3-1. Donc on a 1. Donc on a 6. D'accord? Donc c'était la première question de la représenter les trois points. Alors, deuxième question, faire la trois questions. A, B, C, détermine le coordonnée du vecteur AB. Donc le coordonnée du vecteur AB, comme on a fait, non. Donc le vecteur AB, la quantité égale. La quantité égale, égale, c'est la distance. On dirait XB moins XK, YB moins YA. Donc XB moins XA. Dis-moi que c'est la définition, je me douche. YB moins YA. Donc AB. XB est 1, XA est 4, YB est 5, YA est 4 à tenir. Et là, on va 1 moins 4, ça fait moins 3, 5 moins 4, ça fait 1. Donc AB moins 3, 1. Donc c'est pour l'air, AB moins 3, 1. Donc, deuxième question, petit B, vérifiez que AB est égal à racine de 10. Madame, elle a les coordonnées du vecteur AB. Donc, on va dire AB égale la racine, on va dire l'abscisse du vecteur AB au carré, dit, on va dire entre parenthèses, plus l'ordonnée au carré, égale moins 3 au carré, ça fait 9. Et non pas moins 9, hein? Moins 9, attention, on a 1, c'est égal à la racine de 10. Donc AB est égal à la racine de 10. Petit C, vérifie que le point K de coordonnées 2, 3 est le milieu de BC. Donc on dirait là, soit K, milieu, d'accord, de BC. هنا ك كندير الكوردوني ديالو، راكم عارفين هنايا كندير هادي سير 2، هنا سير 2، اكس بي هنا كيخطئو الدراري بزاف، هنا كيدير اكس بي موان اكس سي، اكس بي بلوس اكس سي، اكس بي بلوس اكس سي، 1 بلوس 3، يكراك بي بلوس يكراك سي، 5 بلوس 1، دونك هنا 4 سير 2 اللي هي 2، وهنا 5 بلوس 1 6 سير 2 اللي هي 3. Donc, le point K, donc le coordonnée de 3 et le milieu de PC. Donc, on va dire K. Milieu de PC. Marban, c'est ça. D'accord? Dimen, c'est bon, bien sûr. Troisième question, d'abord, c'est là. Vérifiez que les points B,
et c appartient à la droite d'équation y est égal à moins 2x plus 7. B et C. Donc, qui va se vérifier là? La question c'est qu'on va faire des échecs. Et c'est là. Dire que B appartient à la droite, c'est-à-dire que les coordonnées du point vérifient l'équation. On a fait plus x, on va te remplacer par xb, ou plus y, on va te remplacer par yb, ou on va l'équation vérifier. On va te mettre sur la f y, on va te mettre sur la f y. Donc yb a pas égal, yb, et non, ou 5. On va se mettre sur la f y, on va te x, xb, ça va? On va se mettre sur la f y. Et moins 2xb plus 7 égale moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1 et moins 2 plus 7. Au moins 2 plus 7, il y a 5. Au 5, il y a yb. Qui est égal à 5, qui est égal à yb. Donc, les coordonnées d'yb vérifient l'équation. C'est-à-dire, d'où b appartient à la droite. On va attendre ce média-là. ماشي مشكل دونك نسموها مثلا هنايا نسموها مثلا T1 appartient à T1 صافي لا ميم شوز في السي تا السي تا هو يدير في ديال دونك هنا عندنا Y سي و هذا هو A اي غنحسب هنا ندير موان 2 إكس سي بوحدها بلوس 7 معوض إكس سي ب 3 وخصني نحسب هنا وخصني نلقى 1 موان 2 فوا 3 هي موان 6 بلوس 7 Moins 6 plus 7, il y a 1. Donc, il y a juste qui est égal à 1, qui est égal à yc. C'est-à-dire c appartient à yd1. D'accord? Maintenant, je ne vais pas faire des questions. Ça y est. Redemons-moi avec vous, cette idée. Redemons-moi avec vous. Redemons-moi avec vous. Faites des questions. Donc, d'abord, c'est ma quatrième question. Oui. Tu as fait deux questions. Fait A ou fait B. Alors, soit D à la droite parallèle à la droite BC qui passe par le point A. Donc, D est là, parallèle à BC et passe par A. Déterminer le coefficient de la directeur de la droite D. Donc, le coefficient directeur de la droite D ou le coefficient directeur de la droite BC. Alors, je vais mettre D parallèle à BC. On va parler sur notre corps. M D D1 مثلا égale à M D2 إذا كان D1 parallèle à D2 إذا كان عندنا D1 parallèle à D2 نقدر نقول بأن الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات هو الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات الثانية ماشي لا ندير هنايا الكوفيسيون ديريكتور ديال بيسي نقدر نحسبو دونك M ديال بيسي égale YC موان YB sur xc moins xb égale yc ou 1 yb ou 5 xc ou 3 xb ou 1 on essaie 1 moins 5 ça fait moins 4 3 moins 1 ça fait 2 moins 4 sur 2 il y a moins 2 donc le coefficient directeur d'IT ou moins 2. Donc c'est pas maintenant. Attends, les questions, c'est une ligne, voilà. Tu m'as dit qu'on va te faire jouer, je vais te faire jouer. C'est toi, avec l'exercice de l'équation de droite, il y a des 4, 5 points, je crois, 5, 4 points, 8, 5 points. Alors, petit B, toujours la question 4, on déduit l'équation réduite de la droite D. D'abord, quand on a l'équation de la droite T, donc quand on calcule la droite T, Y, c'est égal à MX plus B. M, on vient de le trouver, on n'a pas une N, au moins 2. Donc, on a Y, égale à moins 2X plus B. Qui va chercher le cas P, on a déjà analysé les énoncés. On a déjà vu là, on a mis ça. On a la droite D, y, par la droite B, ce qui passe par A. Y, donc, qui passe par A, par la droite T. Madame Anna passe par A, c'est-à-dire le point A, vérifie l'équation. Donc, on va dire non. Or, A appartient à D. Donc, YA, D ou A, juste moins 4, mais je ne sais pas si je vais mettre YA, YA,
c'est égal à moins 2xa plus b. Y a un endroit 4. Xa a 4. 4 fois moins 2 ou moins 8. Plus b. Quand je vais faire calculer, c'est la série. Et moins 8, je vais faire un peu. Il y a 12. Alors, je vais faire un peu de 4. Je vais faire un peu de 4. Je vais faire un peu de 4. Moins 8, je vais faire un peu. Il y a 8, 8 plus 4, ça fait 12. Donc, b est égal à 12. C'est-à-dire, l'équation réduite de l'équation de la densité, pardon, y, va trouver ici moins 2x plus 12. Voilà. Cinquième et dernière question, soit déprime la droite de l'équation y égale à 1 demi x plus 2. Montre que le droit de la déprime sont perpendiculaires. On va dire ça là. Donc, déprime de l'année. Y égale à 1 demi x plus 2. إذا كيف شو مانتر بأن تضربات بعض كلها خصنا نشوفه الكوفيسون ديركتور ديالهم ونضربوا البرودوي ديالهم الكوفيسون ديال هذا في الكوفيسون ديال هذا خصنا نلقى موان زر هذا موان دو وهذا ان دومي إذا ضربت موان دو في ان دومي موان زر راه باينة صافي نقدر هنا اون ندير هنايا ام ديال دي إتيكالا موان دو ام ديال دي بريم إتيكالا ان دومي غنضربو في البرودوي ام ديال دي fois m ديال d prime هو moins 2 fois 1 demi هو moins 1 دو d est perpendiculaire à d prime donc maintenant l'exercice le voit dans l'exercice tani exercice 2 بالنسبة للنصرة تبقى في الانترنت في الانترنت ديروا اكزامان ريجيون كذا مثلا ديال اس في مراكش اس في مراكش يجيب لكم انا كناخذ غير ديال كل واحد ديال كل درس دونك ديال كازا سطات 2019 في المرة كازا سطات 2019 دون لو بلون رابورتي انا بارك انا من اوجي دونك سترنا لي بوان ا بي سي دونك ا 1 0 2 b 1 0 C 4 4. Très bien. Donc, déterminer le coordonnée de vecteur AB pour calculer AB. Donc, il y a une question 4 points classiques. Donc, les coordonnées de vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA, par marqué, XB moins 1, moins XA 0, YB 0, moins 2. Donc, il y a 1 moins 2. Attention, on a moins 2, mais chez 2. Donc, AB 1 moins 2. Pour déterminer la distance AB, c'est là la distance AB en dire. Mais là, mettez le carré carré de là. Madame, elle a le carré de vecteur, c'est bien. On va dire 1 au carré plus moins 2 au carré. Dis-moi le nombre négatif entre parenthèses. Là, c'est le 1 au carré, ça fait 1. Au moins 2 au carré, il y a 4. Donc, ça fait la racine de 5. Donc, ça fait un AB. 1 moins 2. Ou la distance à AB, la racine de 5. La racine de 5. C'est très bien. Alors, petit 2, montre que Y est égal à 1 demi X plus 2 et la droite est l'équation réduite de la droite AC. Y est égal à 1 demi X plus 2. Donc, là, il y a de la AC. Donc, on a le point A vérifier l'équation ou le point C vérifier l'équation, ça compte pour bien. Vraiment, dire chauffe M au P de coefficient de vecteur, c'est pas la peine, ça fait. Donc, on a YA égale 2 et 1 demi XA plus 2 égale 1 demi DX0 égale 2. Donc, A appartient à la droite AC. Donc, A appartient à la droite AC. Ça fait. Donc, elle vérifie l'équation. D'abord, on cherche si c'est un C. YC égale 1 demi XC plus 2. YC égale 4. Ou 1 demi XC égale 4. 1 fois 4 sur 2, il y a 2. 2 plus 2, il y a 4. Ça fait. Donc, C appartient à la droite AC.
Donc, avec l'équation, il y a l'équation réduite de la droite, ah, c'est 1 demi x plus 2. Donc, x va venir 1 demi x plus 2. Troisième question débat. Soit D à la droite passant par A est perpendiculaire à AC. Donc D, elle passe par A et D perpendiculaire à AC. Montre que Y est égal à moins 2X plus 2 est l'équation de la droite D. Donc montre que D est égal à moins 2X plus 2. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre moins 2. Moins 2, que j'en parle, on va mettre perpendiculaire. Madame, D perpendiculaire à AC, à AC rendu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire M dire D, moins droit M dire AC, c'est égal à moins 1. C'est-à-dire qu'il va juste essayer de dire. Et N dire D ou AC perpendiculaire, on dit T. Ça fait? Donc, le coefficient directeur dire en juge, on va dire moins 1. M dire D ou l'en calme, on va dire M dire AC rendu. Ah, ou N dire. Donc, on va dire M D. Nous trouvons 1 demi, c'est égal à moins 1. Ça donne un t, c'est moins 1, mais 1 demi. On va dire, hop, un moins 1, tu vas faire un fort, pour être un demi, tu vas être. On va dire que tu vas être avec nous, on va dire moins 1, on va dire l'inverse de 1 demi, il y a 2. Moins 1 fois 2, il y a moins 2. Alors, on va dire le coefficient. Donc, on va aller d'abord. P, 2, que j'en parle comme un point 1. C'est-à-dire que tu trouves la droite passe par un point. Avec le point, on va laisser avec le P. Donc, on va dire T, Y est égal à moins 2X plus P. Et je vais prendre un M. Donc, d'abord, on a A appartient à T. A, il y a 0,2. Donc, attention, on a déchaîné 0 ou le 1. Attention, Y est 2. Donc, on va dire 2 égale moins 2 fois X. Il y a 0. 0 plus P. Donc, entre la P, il y a 2. Allez. Ça fait tout simplement. P, c'est égal à 2. Donc, on a bien la droite D. Y est égal à moins 2X plus 2. Ah, il y a bien la perpendiculaire. Mais la droite, c'est égal à 2. Pas moins 0. Donc, maintenant, troisième question. Je vais vous faire une autre question. C'est un petit A, donc un petit B. Vérifie que le point B appartient à la droite D. Donc, trois questions. B appartient à la droite D. Donc, B appartient à D, à des chemins A. Donc, je suis vérifié les coordonnées vérifier l'équation. On dit Y, B, à quoi t'es égal? Wazar, photo. On va faire ça, on va trouver le taraf tiens de la moyenne. Vous savez, le deuxième membre de l'équation. Moins 2x plus 2. Moins 2x, B plus 2. C'est là, c'est pas 0. Moins 2x, xb, on va 1. Donc on dit moins 2 fois 1, ou moins 2, plus 2. Ou moins 2 plus 2, ou 0. Ou 0, ou yp. Est-ce qu'il y a un np appartient à la droite d, tout simplement. Montre que le triangle ABC est rectangle. ABC est rectangle. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Si on dit que ABC est un triangle rectangle, c'est le hasbo. Donc, on a AB, c'est le hasbo AC. On dit la toile. Je m'en dis que je parle de AC. Ça fait? Donc, on dit XC moins XA plus YC moins YA. On dit le carré. XC 4. Moins 0 carré plus 4 moins 2 au carré. 4 moins 0, il y a 4, 4 au carré, 16. 4 moins 2, il y a 2, 2 au carré, il y a 4. 16 plus 4, il y a 20. Donc on a racine de 20. Très bien. D'abord, on chauffe BC. Ça y a la même chose. Il y a XC moins XB, 4 moins 1. On va dire 4 moins 0. D'accord. 4 moins 1, 3 au carré 9. On a 4 moins 0, 4, 9, 16. 9 plus 7, 25.
racine de 25. Donc, on a qu'il y a racine de 20, racine de 25, racine de 5. Je calculerai la racine de 25. Quand tu vas dire une racine de 25, il y a racine de 20 plus racine de 5. Donc, BC, on va connaître l'hypoténuse. C'est-à-dire, ABC est un triangle rectangle en A. Avec cette belle. Donc, on va dire, d'après, le théorème réciproque. J'ai direct, réciproque. C'est bien, nous, on a un triangle rectangle de Pythagore. BC au carré, c'est égal à AB au carré, plus AC au carré. Et là, c'est BC au carré 25. Et là, c'est AB au carré 5. Ou là, c'est AC au carré 20. Donc, c'est vérifié. ABC est un triangle rectangle, un rectangle de valeur sommet, en réponse qui est en A. Dernière question, l'aire du triangle ABC, on la surface. La surface du triangle ABC. Donc, madame, on a un rectangle en A. Yep. Donc, la surface, il y a AB fois AC sur 2. AB fois AC sur 2. AB, alors, on a un A. AB, il y a racine de 5. Ou AC, quelque chose, moi, je me sais. AC, racine de 20. Sur 2. Donc, on a 5 fois, il y a racine de 100. Sur 2, racine de 100, il y a 10. 10 sur 2, il y a 5. Donc, ça fait 5 centimètres carrés. On a l'air. D'accord? Donc, comment exercice on a d'abord le rabat. Rabat 2019. Rabat 2019. Rabat salaire pénétrant. Avec Rabat. Une région. Rabat salaire pénétrant. Limite 19. Dans le plan muni, dit la phrase à Kawa, on considère les points ABC et E. Donc on a dans le 4 points A0 moins 4, B3 0, C4 4 et E2 0. Et la droite delta, attends, la droite delta, on va faire bien. D'équation y égale moins 1 demi x plus 1. Première question, qui est une 5 questions. Déterminer le coordonnée du vecteur AC pour calculer AC. Donc, dis maintenant dans le cas là. XC moins XA, YC moins YA. Attention, on est moins moins 4, ça fait que tu as plus 4. Et YA par négatif. Donc, est-ce qu'on est à 4 8? Donc, devant la distance AC, 4 au carré plus 8 au carré. Et il y a 16 plus 64. 16 plus 64, donc là, racine de 80. Quand on parle de simplifier, là, il y a des 16 fois 5. C'est la 50, 30, 80. Donc, il y a 4 racines de 5. Donc, on a un délai AC, 4, 8. Racine de 80 est égal à 4 racines de 5. Et parfois, ils veulent montrer que la distance AC est égale à 4 racines de 5. Donc, tu mets là 4 racines de 5. Donc, c'est pas grave qu'il va diminuer. C'est pas grave qu'il va décomposer 80. Qu'est-ce que tu peux dire au fil de la racine carré par là? 16, tu as un carré parfait. Ou tu as 4 racines de 5. Ça fait? Mais il y a une sortie de 4 racines de 5. Tu as 4 racines de 5. 16 fois 5 est 80. Donc, tu as 80, tu as 5, tu as 16, ou racine de 16, il y a 4. Alors, deuxième question, montre que le point E est le milieu de AC.
هذه الكوردوني ديالو. دابا خصنا نمشيو ل اسي ونشوفو الميليو ديالو شنو هو. دونك هنايا الميليو د اسي مثلا، ميليو د اسي اكس ا بلس اكس سي سير دو، زارو بلس كات، كات بلس دو هي دو، إيكغاك ا بلس إيكغاك سي سير دو، إيكغاك ا موان كات بلس كات هي زارو، زارو سير دو هي زارو، و دو زارو هما لي كوردوني ديال بوان أن، صافي. دونك أو دو كوردوني دو زارو إي لو ميليو دو أسي. Soit un air, E, milieu, de As. On a dans les coordonnées, on a rien à dire. Alors, on passe à la question suivante. 3. Vérifie que l'équation est réduite de AC et Y est égale à 2x moins 4. X moins 4. Donc c'est la même chose, on est un C, donc on dirait un A, YA égale 2XA moins 4. YA, il y a moins 4. On a 2XA, 2 fois 0 et 0, moins 4, donc c'est juste. Donc A appartient à AC. La même chose, on tient une FC, on dirait E, YC égale 2XC. Moins 4, y c'est cher 4, ou 2x c'est cher, il y a 8, 2 fois 4, 8, 8 moins 4, il y a 4. Donc, c'est appartenant, mais tout, donc l'équation y est. Ok? Je vais vraiment t'appeler. Bien, là. Question 4, petit a. Montre que delta passe par le point E. Delta passe par le point E. Donc on a de E, milieu de AC. C'est maintenant que je mène, AC. E passe par delta. Voilà, delta passe par E. Donc on a de compte delta et la quantité perpendiculaire AC, on a de compte la médiatrice. Valipen. La même chose. Valipen, oui. Voilà, voilà, j'ai la question. Ça fait que c'est tout juste de la E, le cas c'est un milieu. Ou alors, je suis vers le point E, le milieu. باس باغ واحد ابارتمون واحد لادروات، دونك خاصك تقول بان الكادرات تقدر تكون هي ميدياتريس، تقدر، يعني مازال خاصك مازال نبين بان بارفون دو كولار، دونك عندنا هنايا إيكغيك أو هي زارو، إي موان زان دومي ديال إكس أو بلوس أن إيكال موان زان دومي مضروبة في دو بلوس أن إيكال موان زان بلوس أن هي زارو، زارو هي إيكغيك أو. Donc E appartient à delta. E appartient à delta. Donc 4D maintenant. Montre que delta est la médiatrice de AC. Voilà, je vais dire. D'abord, je vais dire. D'abord, E passe par le. La droite delta passe par le milieu de AC. Là, E est le milieu de AC. Vous savez? Il y a là, باش شنو خصك تبين؟ خصك تبين بأن هاديك الهضرة ديالتا بيربونديكولار أسي، كويفيسيون دو أسي، ما عندناش الكويفيسيون ديال دلتا هو موان زان دومي، دونك الكويفيسيون ديال أسي شحال خصو يكون؟ من هنا تعرفو، خصك تضرب هذا في الكويفيسيون تبقى موان زان، خصك تبقى هو دو، إلا لقينا الكويفيسيون ديال أسي هو دو، صافي، دونك أسي بيربونديكولار دلتا، دونك دلتا إيميتاتريس دو أسي، صافي؟ دونك غنديرو هنايا. On va voir là le coefficient de AC. Y c moins Y a. X c moins X a. Donc 4 plus 4, 8, 8 sur 4, 2. Vous savez, quelque chose est de la haie 2. 2. Il est de la M de AC. On va voir la M de la delta. Alors 2 fois moins 1 demi. Il est en train de moins 1. Do AC est perpendiculaire à delta. AC est perpendiculaire à delta. Ou delta passe par le milieu de AC, c'est-à-dire delta est la médiatrice de AC. Vous savez? Delta
médiatrice de AC. Dernière question, le problème de juge d'Itinéry. Déterminer l'équation réduite sur de la droite L passant par le point B et parallèle à C. Parallèle à C, coefficient directeur de AC égale 2. On va 2. Pardon. Donc l'équation de la droite de L. Y égale à mx plus p. M, L, a un parallèle à AC. Ou AC, coefficient directeur de AC, on vient de le trouver, ou 2. Donc, on prend y, il y a 2x plus p. Alors, on va car L est parallèle à AC. Vous savez? Parce que tu vois, donc le point, la droite elle passe par le point B. C'est-à-dire, il y a YB part à L. C'est-à-dire, il y a YB, pardon, égale à 2XB plus P. YB est à 0. XB est à 3, 2 fois 3 est 6, plus P. C'est-à-dire, P est égal à 6 et moins 6. P égale à moins 6. L'équation réduite de la droite delta est y égale à 2x moins 6. Ça fait que maintenant, de la droite, de la droite, de la droite, c'est 2019. Donc, région de la droite. CNES 2019. Dis-moi avec la phrase à travers, dans le plan mini dans le parc autonomé, où j'en considère les points A. Donc on donne 1-1. La droite D, de coefficient directeur 3 qui passe par A. D, de coefficient directeur M. 3 et qui passe par 1. Première question, 1, A. Déterminer l'équation, l'équation de la droite D. Donc D, Y, c'est égal à MX plus P. M, A, non, quoi 3. Donc 3X plus P. P, il y a qui va se faire A, parce que la droite D passe par 1 point. A, ou A. Ou A, ou A, dans les coordonnées d'hier. Ça fait, on va dire A appartient à D. C'est-à-dire YA égale à 3XA plus P, tout simplement. YA ou 1, ou XA ou 1. Donc 3 fois 1, il y a 3 plus P. A 3, on dit bien, tout le moins 3. 1 moins 3, il y a moins 2. P, c'est égal à moins 2. Donc, à tout l'équation réduite, moins 2. Bueno. Deuxième question, donc 1, date ma rappelée, bon. Vérifier que le point B appartient à D. B, attends, le point appartient à D. Donc on dirait là, YB, on va 7. On va chercher le deuxième membre, avec 3XB moins 2, ça fait 3XB moins 2, à quoi c'est égal? 3XB, XB, 3, 3 fois 3, 9, 9 moins 2, il y a 7, on va 7 à dire. C'est comme ça, je vais chercher. Donc B appartient à la droite D. Donc c'est quoi là? B appartient à D. Calculer AB. Donc AB
XB. B raya 3/7 de la XB. 3 moins 1 au carré, il y a 2 au carré, plus 7 moins 1, il y a 6 au carré. Il y a 4 plus 36, il y a racine de 40. Donc là, on dirait que racine de 40, il y a 4 fois 10, il y a 2 racines de 10. Voilà, il y a 2 racines de 10. Donc AP est égal à racine de 40. Troisième question. Déterminer les coordonnées du point M milieu de AB. Donc M milieu de AB, quand il y a celui de 1 plus 3, 1 plus 7, 4 sur 2, 2, 8 sur 2, 4, 2, 4. Quatrième question, petit a. Montre que y est égal à moins 1 de la droite delta perpendiculaire à D et qui passe par le point N. Donc, delta perpendiculaire à D. Delta perpendiculaire à D. Donc, on va dire la coefficient M delta fois M D, ou à 3, c'est égal à moins 1. Donc, M delta c'est égal à moins 1 sur 3. Alors, on a le coefficient. Donc, quand on a la delta, il y a moins 1 sur y égale, pardon, y égale, c'est ça, je vais le dire. Moins 1 sur 3x plus p. On chauffe la droite delta, deuxième sur le point. Attends, on a n moins 1, 1. C'est pas non? N moins 1, 1. C'est-à-dire yn, ou 1, c'est égal à moins 1 sur 3xn, il y a moins 1. Moins 1 fois moins 1 sur 3, notre 1, il y a 1 sur 3 plus p. On va dans le délai, on a 1 moins 1 sur 3, ou 2 tiers. P est égal à 2 tiers. C'est-à-dire l'équation, il y a delta, il y a moins 1 sur 3 x plus 2 sur 3. Voilà ce que je suis là. Petit b, dernière question. Soit h le proche de orthogonal de n sur la droite d. Déterminer la coordonnée du point h. Donc maintenant, D. H le proche de orthogonal de N sur D. Donc de D. Delta est perpendiculaire à D. Donc, ça c'est moi. Soit H le proche de orthogonal de N. Donc N appartient à delta. Delta est perpendiculaire à D et qui passe par le point N. Voilà. Passe par le point N. N. Donc N à N. Appartient à delta. Ou D appartient à la KNP. Par la N. Donc on a que soit H le proche de orthogonal de N sur D. Le proche de orthogonal de N sur D. Avec une WED. Proche de orthogonal de N sur D. Vous savez? Donc H et L. Le point d'intersection de D à delta, ça fait? Ça marche bizarre. H, le proche de orthogonal de N sur D. Déterminer les coordonnées du point H. Donc H appartient à delta ou H appartient à D. Ça fait? Donc H appartient à delta et H appartient à D. Voilà l'équation du jeu. On a D ou delta. Donc on a un système. Si vous voulez, donc on a tout là maintenant. YH est égal à 3xh moins 2. Maintenant, on a YH égal à moins 1 tiers xh plus 2 tiers.
C'est une très bonne question. Je vais vous donner un effet de la classe. C'était 2019. Ça veut d'abord me dire YH est égal à YH. Donc YH ou YH. Donc on a 3XH moins 2 est égal à YH. On a XH remplacé par sa valeur, on a YH. Donc on a 3XH moins 2 est égal à moins 1 tiers XH plus 2 tiers. On a dit YH. Pardon, le QC, donc ça je dis 3XH plus 1 tiers de XH est égal à 2 tiers. Moins 2, on va dire plus 2. 3XH plus 1 tiers XH, je vais réduire en même temps, on va trouver 9, 9 plus 1, il y a 10. 10 sur 3XH. On est à 8, on va tenir, je vais réduire en même temps, on va trouver 6 sur 3. Ça fait 6 plus 2, 8, 8 sur 3. 3, on peut en faire avec 3, on va 10xh égale à 8, xh égale à 8 sur 10. Je vais réduire, simplifier par 2, on va 4 sur 5. Alors, on va xh. Remplacer, on va l'équation, on va l'équation, on va remplacer xh par 4 sur 5, on va ygh. Yh, on va 3, droit. 4 sur 5 moins 2. Il y a 12 sur 5 moins 2. 2 il y a 10 sur 5. Qui est égal à 2 sur 5. Donc 4 sur 5, 2 sur 5. Le point H, pardon, il y a 4 sur 5, 2 sur 5. C'est une très bonne question. Parce que vous devez avoir la réponse. Pas votre femme, même si elle, pas de la réponse. Ça fait donc 4 sur 5, 2 sur 5. Il a aussi le corps de H, H appartient à H, on a le projet orthogonal, c'est-à-dire 1 sur le document. Donc, c'est l'élément de la façon classe, on a un autre exercice, c'est le tangent, c'est toi le plus simple. Tangent tétoine de Husseinan. Ça fait que tu es tétoine ou de Husseinan. Région tangent tétoine de Husseinan. Exercice 5. Donc toujours avec la phrase, dans le plan minuit d'un repas confirmé, on considère les points A de coordonnées 1, 5, B de coordonnées 3, moins 1, et C de coordonnées 0, moins 2. Représenter les points ABC, je vais mettre la B là, côté avec le repère, donc A, 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 Y, A, X, A, côté avec O, I, J, OK, 0, 0. Donc on a 1, 5, donc on a 1, 5, on a 5, oui, on a 1, et là 3, moins 1, donc on a 2, 3, ou moins 1, il y a moins 1, voilà, ok, et là 0, moins 2, 0, moins 2, très proche, donc l'abscisse minute, donc on va connaître le point C, fraction des ordonnées, que tu n'as pas 0, 3, moins 2, il y a moins 2, assez, vous savez, déterminer le coordonnée du vecteur AB. Donc AB, XB moins XA, 3 moins 1, il y a 2. On a moins 1, moins 5, il y a moins 6. Tout simplement. Déterminer les coordonnées de E, milieu de AB. Donc on va dire E. Milieu de AB, 1 plus 3, il y a 4. On a 5 moins 1, il y a 4. Donc il y a 2, 2. Donc E, 2, 2. Milieu de AB. Calculer les distances AB et BC. AB, donc on sera 2 au carré, plus moins 6 au carré. 2 au carré, il y a 4, ou moins 6 au carré, il y a 36. Et racine de 40. AB, racine de 40. Ou BC. BC, la neige à ce mytho, donc on dirait que ton erreur. C moins P, 0 moins 3, il y a moins 3 au carré,
moins 2 plus 1. Moins 2, moins moins 1, il y a plus 1. Moins 2 plus 1, il y a moins 1. Et il y a 9 plus 1, il y a 10. Racine de 10. PC, racine de 10. Attache, branche. Montre que la ponte, cinquième question, de la petite A. Montre que la ponte de PC est 1 sur 3. La ponte au coefficient directeur de BC, MBC, MBC, YC, moins 2, moins YB, XC, 0, moins XB, et bien certain, YC, moins YB, moins YB, il y a plus 1. 0, moins 3. Il y a moins 2 sur moins 3, il y a 2 sur 3. Il y a moins 1, il y a moins 2 plus 1, il y a moins 1. Il y a moins 1 sur moins 3, il y a 1 sur 3. Voilà, il y a. Donc, on a marqué 3, je fais ça, attention. Il y a les moins. Montre que l'équation est réduite sur 2 AB. Voilà. Y est égal à moins 3x plus 8. Donc, on doit y avoir YA et il y a moins 3XA plus 8. YA est 5, moins 3XA, XA est 1, moins 3 fois 1 est moins 3, plus 8. Donc, c'est 5. Donc, 5 égale 5. Donc, A appartient à AP. Pour YB, c'est YA. Donc, YB est YA moins 1, moins 1. Ou XB, il y a 3, 3 fois moins 3, il y a moins 9 plus 8. Moins 9 plus 8, il y a moins 1. Ou moins 1, il y a YP. Allez? Donc, c'est juste. Donc, BT appartient à AP. C'est-à-dire, Y est égal à moins 3X plus 8. Et l'équation réduite de la droite, AP. Petit C, on dit que AB est perpendiculaire à BC. C'est là. PC, quand on a mis sur le coefficient, il y a un tiers, ou il y a moins 3. Donc, on a M de AP, on a M de BC. Quand c'est MAP, on a moins 3. MBC, on a un tiers, on a moins 3, c'est 3 moins 1. C'est-à-dire AB, par contre, AB, c'est bien. Ou là, ABC est un triangle, on peut dire un triangle rectangle en B, ça fait? Madame AB est perpendiculaire à BC. Donc, on a BC qui est tiré d'un an, donc BC est qui est là. Donc, on a maintenant A, on a maintenant C. On a de la manière ABC. Alors, on a un triangle rectangle en B. Sixième question, deux questions, AB. Déterminer l'équation réduite de delta passant par C et parallèle à AB. Passons par C et parallèle à AB. AB est moins 3, donc delta, avec le 9 coefficient de AB. Moins 3x, Y égale à moins 3x plus P. Elle passe par le point C, C Hawa. Donc, on a le dernier. YC est égal à moins 3x. YC, moins 2. Ou XC, moins 0. On va réfléchir la même chose. P est égal à moins 2. Avec, je vais chercher un espace. Moins 3x, moins 2. Petit b, dernière question. La droite delta coupe l'axe des abscisses en un point F. Calculer la surface du triangle BEF. Là, sinon, on a deux belles. Donc, on a delta parallèle à AB. Donc, on a delta. Parallèle à AB. Donc la droite delta coupe l'axe des abscisses. Coupe l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Coupe l'axe des abscisses. On a un point F. On a un point F. Calculer la surface du triangle BEF. Donc on a B. Maintenant,
E, il est B, à voir E. ولكن لي كوردوني ديال اف ما عندناش اف ما عندناش خصنا هنا نلقاو اف اوكي اف كيفاش نلقاو اف ابارتان على دروات الدلتا اف مادام انه ابارتان لاكس دي زابسيس دونك لوردوني غيكون نول صافي دونك غيكون هنا اف غيكون هنا اكس اف زيرو لوردوني ديالو راه نول صافي انا ابارتان لاكس دي زابسيس كيفاش غنلقاو هاد سميتو مادام ابارتيان هذا دونك دلتا دونك هنا اف يل فيريفي ليكواسيون ديال دلتا صافي غير نمشيو بشويه بشويه دونك نتولى عندنا هنا ايغريك اف يتيغالا موان 3 اكس موان 2 موان 3 اكس اف موان 2 ايغريك اف قلنا راه زيرو موان 3 اكس اف موان 2 موان 3 اكس اف موان 2 هاد موان 2 غنجيبها هنايا غتولى هنا 2 اكس اف يتيغالا تيغالا 2 سور موان 3 ولا موان 2 موان 2 سور 3 دونك هنا صافي تما هنا غادي موان 2 سور 3 صافي عندنا اف عندنا او وعندنا بي صافي دابا هو قال لك كالكولي لا سيرفاس لا سيرفاس خصك واحد سميتو دونك هنا خصنا واحد خصنا واحد لا دروات هنا اللي كت اوكي هنايا غتكمل هاد لا كيستيون صافي داكور غتكون سهلة راه عندكم تروا لي كوردوني دونك الى هنا كينتهي هاد الفيديو و كنتمنى يكون هاد لي 5 اكزرسيس استفدتو منهم شكرا و الى فيديو اخر بحول الله.